sa gamme est proposée uniquement sur porteur Fiat. Exclusivité Fiat chez Bavaria. Yes, Fiat 2 litres 3, 130 chevaux, châssis spécial camping-car. D'accord, très joli la calandre noire. Ouais, l'option calandre noire à 350 €, et c'est d'autant plus sympa sur cette finition, donc classe, avec les feux d'urne qu'on a ici. Je sais pas si ça se voit bien. Ah, on devine. Mais ça fait un regard plutôt très sympa. Ouais, ouais, très joli. Donc voilà pour le porteur Fiat. Ensuite, au niveau de la construction. Oui. Donc on est sur des parois en alu. Ensuite, la face arrière. La soute. La soute. Allez, je trouve la soute. Oui, si parce que les gens après vont dire la soute. Et la soute. Voilà. Donc la soute avec accès traversant, on est bien sûr sur les fermetures à compression. Ouais. D'accord, fermeture à compression, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais fermer une fois et je vais refermer un autre tour, et vous avez vu que la serrure est venue se compresser. Ça a légèrement bougé. Ouais. Voilà, donc ça compresse bien les joints, pas de souci d'étanchéité. Donc la soute avec accès traversant, alors celle-ci sur le class, il y a les rails d'arrimage, il y a les bacs de rangement, il y a l'éclairage. On n'a pas vu les cellules. Prise de 120 et toutes les soutes sont chauffées. Un lit central, lit pavillon en 7m45. 7m45. Ouais, allez, suivez-moi, modèle 2018. Rapido. Parce qu'on peut pas vous faire les présentations aussi longues qu'à la concesse parce qu'il y a du monde. Donc là, on retrouve le très grand salon avec une grande banquette latérale ici qui est très grande par rapport à la plupart de nos concurrents. Le gros avantage de ce véhicule, vous allez le constater si vous venez nous voir, ça va être le passage. C'est-à-dire que vous passez aisément de la cabine au salon. L'autre avantage, la superbe cuisine avec un grand plan de travail. Il est beau. Ouais, donc quand ici, on l'avait déjà démontré, quand ici je suis en train de travailler, de faire ma popote, on passe facilement. Ouais. L'autre gros avantage, c'est le double cloisonnement. Donc je vais fermer ma porte ici pour la partie chambre. Si les petits-enfants veulent rentrer dans les WC, ils rentrent dans les WC sans passer par ma chambre. Ouais, double cloisonnement. Et l'autre avantage, c'est l'espace aussi également autour du lit. On a augmenté nos lits, on est en 150, mais pour passer... Alors bon, moi c'est vrai que je suis assez mince. Tu fais combien de haut en 1,92. Donc je tiens facilement, mais c'est le passage. Le passage se fait aisément. Donc là, ce que vous pouvez voir, c'est qu'on a un lit réglable. Lit réglable en hauteur. Hein. Voilà, en hauteur. Donc on a un lit réglable, c'est une option. Voilà. Donc ça, c'est mon petit coup de cœur. Mon petit coup de cœur, c'est le top des ventes de l'année dernière d'ailleurs. Et je pense que cette année, avec les améliorations qu'il y a eu sur ce modèle, ça risque et ça va être encore parmi le number one en termes de vente. On est en lit pavillon 2 places. Tout à fait. Il est très très beau le stand de Bavaria. Hein. Très lumineux, ouais. Mon living car. Ouais. Donc il est tout au fond ce véhicule, hein, voilà. Si vous voulez le voir. L'entrée du stand, elle est là-bas. Je me situe au fond, moi. Hein, vous bon, allez-y, donc on est dans le salon. Ouais, alors là, on a tout fermé. Hein. On a fermé tous les volets occultants. C'est des clients qu'on a vus sur les salons qui nous ont demandé ça pour voir vraiment les éclairages. Et on trouve que c'est une bonne idée. Ouais, là, on est vraiment en conditions réelles. Comme s'il faisait nuit, l'éclairage que vous avez, c'est l'éclairage du véhicule uniquement. Uniquement. Ouais. Uniquement, il n'y a pas de soleil. Donc là, la partie salon. Oui. Donc, la partie salon. Avec les sièges pivotants, donc on peut déjà s'asseoir facilement 1, 2, 3, 4, 5. 5 on tient aisément. Ouais. En sachant qu'on est sur un 4 couchages, 4 places car grises, mais à 5 on tient aisément. Donc la table, on est sur une nouvelle table. Voilà, ça c'est la nouvelle table 2018 avec cet effet pierre. Ouais. Donc cet effet pierre, il faut savoir que le design Bavaria, et ils ont un bureau exprès pour cela et ils se sont rapprochés de cuisinistes pour voir ce qui se faisait, ce qui était tendance dans nos maisons. D'accord. Et ce que vous allez voir à l'intérieur, la couleur du mobilier, le ton pierre, c'est vraiment ce qui ressort et ce qui se vend plus en cuisine actuellement. D'accord. D'accord, c'est pas fait comme ça. Donc la table, hyper simple, vous avez juste une petite manette, je sais pas si tu la vois Cyril. Ouais. Ici. Donc là, je vais la lever, la table bouge plus, je la baisse et ma table va bouger dans tous les sens. Droite à gauche, facile. Droite, hyper facile. Donc là, vous voyez, quand je la pousse complètement, l'accès est complètement libre. D'accord. Je me lève facilement pour passer à la partie cuisine ou salon. Donc là, ici, sur ce salon-là, on avait pris l'option un simili-cuir, ouais. Donc 490 €, sinon c'est un tissu. Il est joli aussi, d'ailleurs. Il est très joli. Rangement ici, pratique, ça. Un premier rangement. Donc ouais. Pour les chaussures, pour ce que vous voulez, souvent les chaussures. Comme ça, on ne pourrit pas le camping-car. Voilà. Ici, c'est complètement utilisable. On a une autre petite trappe pour le réservoir d'eau. Ah, d'accord. Donc on est hors gel. Hein. Le réservoir d'eau est hors gel. Ouais. De série. Ouais. Sur les classes. Ouais. Super. Là,
Donc là, je sais pas si tu vois le plan de travail que j'ai devant moi. Ah ouais, c'est balèze. C'est balèze. Ouais, ouais. C'est balèze. Alors tiens, tu vois là comment je suis. Donc oui. Là, t'imagines, je fais à manger. Oui. Bah, je vais te parler de ça pour te parler de l'espace dans les Bavarias. Oui. C'est-à-dire que là, je fais à manger. Toi, tu peux passer facilement dans la chambre, aller chercher quelque chose. On va voir. Vas-y. Sachant que je suis pas le moins large de tous. Fais le test. Je t'ai pas touché. Voilà. Ouais, ouais. Donc ça se fait. Alors ça, c'est voilà, ça se fait hyper simple. Hyper oui, c'est vrai que l'espace est plutôt bien pensé. J'ai touché ouais. aucun mur. Donc la cuisine, on retrouve notre finition de la table aspect pierre, qui est super ouais. sympa. Ouais, ouais. On a de la crédence avec le rétro éclairage Bavaria sur les classes. D'accord. On a la haute, c'est sur les classes. De série. Hein. De série. Ouais. On est sur des feux en long, trois feux en long, ouais. gaz. Ok. Ok. Piezo, je vois. Hein. Ouais, ouais, ouais. Piezo et notre évier. Ce qui est top sur ces finitions là, c'est que vous allez avoir plein de rangements. Donc là, prise, viens voir parce qu'elles sont cachées et c'est bien aussi. Prise 12 volts, 220 USB. Au niveau de la cuisine. Ouais, 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 ouais. On retrouve aussi sur le porteur les clés USB, donc pour charger les portables, les appareils, c'est plutôt bien. Au niveau des tiroirs. Oh pardon. Au niveau des tiroirs. D'accord, grand tiroir. J'ai vu que tu forçais un peu pour ouvrir. C'est ouais parce qu'ils sont amortisseurs. Alors viens, tu vas venir voir le dernier que j'ai ouvert. J'espère que tu l'as pas trop montré. Je sais pas. Ah oui. Ah bah la petite poubelle. Regarde. Donc pas de poubelle dans la porte. Eh ça, oui. ça évite ça... de casser la moustiquaire quand il y a du vent. Eh oui. Donc on la met là. On est sur des amortisseurs. Hein. T'es un peu violent avec ton Bavaria. Hein. Désolé, ouais. Mais ça tient le coup. Voilà. Donc au niveau de la cuisine, très on est là. Cuisine. Très, après, très derrière la cuisine, on retrouve notre ensemble frigo. Ouais. Donc grand frigo congèle automatique 160 litres. Ouais. D'accord, on est sur du Dometic. Donc ça, on l'a déjà montré. Vous appuyez sur on, il va chercher tout seul son mode d'énergie. On n'a pas besoin de changer sur la main. Ça, c'est top. D'accord. Hop. Au-dessus. Alors, Eddy, il y a des gens qui nous ont dit sur le salon, mais vous dites toujours compartiment freezer. Ouais. Il est important de dire la vérité. Ouais, alors il y a beaucoup aussi de confrères qui vont vous dire que c'est des congélateurs. Il n'y a pas de congélateur qui existe dans le monde du camping-car. C'est complètement faux. C'est une fausse appellation. C'est des conservateurs freezer, ni plus ni moins. Vous n'allez pas aller acheter votre viande et la faire congeler. Elle va au pire, elle va rafraîchir, elle va commencer à congeler, mais vous la garderez pas 2 ou 3 mois comme à la maison. Mmh. D'accord, c'est vraiment un freezer conservateur. Donc ça veut dire que dedans, on met une viande qui est congelée. Elle va rester congelée. Elle va rester congelée. Voilà. Ouais. Après, pour faire des glaçons, des glaces, c'est très bien. Mais c'est pas un congélateur. D'accord, donc faire attention à ça. Voilà, c'est pas un classe 4 comme à la maison. Faut faire attention. Ok. Donc ça, après, au-dessus de notre frigo, ici, ça va être l'emplacement, ben, vous voyez, hein, télé, démodulateur, antenne. Donc tout est posé d'usine sur le classe et avec oui, le pack classe. Le fameux pack classe. Voilà, donc tout ça c'est posé d'usine. La télé elle y est. Sors la télé, le démo, hop, la télé c'est simple. Clac, clac. Elle est grande en plus. Oh. Ouais. Ah ouais. D'accord, ça c'est top. Et si je mets une deuxième télé, on pourra en mettre une deuxième dans la chambre. Ouais. Quoique, tiens, on va faire l'essai en réel. Ouais, je pense que là comme ça on ouais. voit de la. Ouais, on voit du pieu. Regarde. Comme ça. Ouais, faudra qu'on la mette droite. Mais... Voilà. Ouais. Ouais, très bien. Voilà. Mais ouais, ça peut se faire. Ouais, on peut avoir la télé, chambre et salon. Voilà. Très belle télé. Mais ça fait partie du pack classe. Hein. Voilà, du pack classe. Avec l'antenne SAT automatique 85 cm. C'est ça. Les classes. Autre chose sous le frigo, on va retrouver un tiroir. Ouais, franchement. Ok, encore un tiroir.